Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de vous apprendre à réaliser une couronne des rois briochée. Cette couronne des rois, c'est la galette traditionnelle du sud de la France. Dans le sud de la France, on fait moins de galettes à la frangipane que ce type de gâteau. Et c'est simplement une pâte briochée garnie de fruits confits. Ici, j'ai rajouté des zestes de citron, de l'eau de fleurs d'oranger. Je la dresse en couronne et je viens la décorer joliment avec du sucre grain et des fruits confits. Mais avant de commencer cette recette en vidéo, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite alerte pour ne pas rater mes prochaines recettes en vidéo, et puis liker cette vidéo si vous l'avez aimée, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Surtout, restez bien connectés sur les réseaux parce que j'ai une formation en ligne consacrée aux viennoiseries et aux pâtes levées, les pâtes briochées qui arrivent très bientôt sur le blog www.atelierdudo.fr. Et maintenant, si vous êtes prêt à réaliser avec moi cette couronne des rois briochée, nous pouvons commencer la recette et surtout, n'oubliez pas d'activer les sous-titres pour pouvoir accéder à toutes les explications pendant la recette.
Et voilà notre couronne des rois briochée et prête à être dégustée. Elle est moelleuse et extrêmement parfumée. Moi, je peux vous dire que ça sent très très bon dans ma cuisine. Surtout, si vous refaites cette recette à la maison, pensez bien à me taguer sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et je me ferai un plaisir de venir voir votre propre version de la couronne des rois. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite alerte pour ne pas rater mes prochaines recettes en vidéo. Et je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, vous trouvez également d'autres recettes de galettes. Si vous préférez la galette traditionnelle à la frangipane, il y a plusieurs recettes de cette galette sur ma chaîne YouTube. J'ai hâte de venir voir sur les réseaux sociaux votre propre version de la couronne briochée. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous de cette vidéo. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste complète des ingrédients juste en dessous de chacune de mes vidéos YouTube. Je vous souhaite à tous une très belle fête d'Épiphanie et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur les réseaux. Ciao !